En fait, j'aimerais retourner là où il y avait tout le monde, quoi. Bah voilà, c'est par là. Attendez. Ah, ils sont encore là, je les entends. Voilà. C'était en haut, là. Salut. Ah, je vais encore réussir à mourir, les gars. C'est chaud de ouf, les gars. Là, je suis en pression, je suis encore pas mort et là, je veux surtout pas mourir avec tout ce que j'ai, quoi. Putain. Ah, vas-y. En fait, les gars, ils sont tellement vénères. C'est impressionnant comment ils sont vénères. Voilà, viens par là, toi. Il m'a rien looté! Surtout les blazes que j'ai butés! Ils m'ont rien looté! Salut! Ok. C'est bon? C'est safe? C'est safe, il m'a rien looté. Là, je suis vraiment deg. Hein. Oh, attendez, je viens d'où moi? Eh! Hey, dégage! Je sais pas d'où. Bah attendez, je viens d'où? Je saurais plus rentrer à la base, les amis, voilà. C'est dit, c'est fait. Je suis perdu, les gars. Ah, c'est par là, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est là la sortie, ok. Oh là là, mais moi j'aimerais des blazes. J'en ai eu aucun. Ah! Ok, bon, il y en a un là. Bonne nouvelle. Je suis un abruti. Oh, il est grave vénère. Hein. Allez là, trace ta mère. Tu crois que tout le monde va être pas content, c'est ça? Tu crois qu'ils vont, le savoir ou pas? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Allez, on oublie tout ça. Et on reviendra... un autre jour. Demain est un autre jour. Waouh, je me suis chié dessus. En plus, j'aurais eu un blaze cadeau là. Mais malheureusement, j'ai tapé un. J'ai tapé un piglin quoi. Enfin, un pigman. Putain, je suis vraiment dégoûté. Écoutez, j'ai envie de terminer sur une note positive en étant pote avec eux. Donc, au pire, je suis en train de m'attirer des ennuis encore et encore. Mais pour cette fin d'épisode, j'aimerais troquer un petit peu encore là. Tant qu'on y est, tu vois. S'il peut peut-être me donner des blazes par exemple. Oh, c'est beau là-bas, on était encore jamais là. Tiens mon pote, régale-toi. Ok, lui il est méchant. De toute évidence, voilà. Alors c'est bien sympa là aussi, ici, c'est mignon. Non mais on va se trouver un petit coin pour s'installer, hein, vous inquiétez pas. Oh putain, un livre enchanté, attendez. Régale-moi, du cuir. C'est quoi ça? Soul speed. Ça va me permettre de marcher plus vite sur la soul scène, c'est exactement ce qu'il me fallait mon pote. C'est génial. Écoutez, je vais claquer tout mon or. Je vais claquer tout mon or que j'ai là. C'est un stack d'or que je suis en train de claquer, hein, les amis. Hein. Mais voilà, je le fais pour une bonne raison. C'est pour renouer les liens. T'as mine de rien, le gravier, il m'a sauvé la vie aussi, des fois. Hein. Heureusement qu'ils m'ont troqué du gravier parce que j'avais plus de blocs. Qu'est-ce qu'il m'a looté, là? Ok. Ouais, je commence à être vraiment full. J'ai plus pouvoir prendre grand-chose. Ah oh là là, quelle histoire. Eh, hey, il s'en est passé des choses hein, durant ces trois... je pense que ça fera trois épisodes, les coupures. Ou alors juste deux, mais je pense que ça fera trois. Il s'en sera passé des choses hein, quand même, hein, mine de rien. Il y a eu beaucoup de retournements de situation. En fait, dans chaque épisode, je crois qu'il y a eu un retournement de situation. On verra comment j'aurais coupé, mais... Oh, incroyable, quoi. Vraiment du délire. Oh là, une fire résistance encore. Qu'est-ce que je peux jeter? Bah voilà, je vais fusionner arc plus arc. Bam. Okay. Il m'a rien donné. Ok, très bien, de la soul soil. Bon, au moins on a de la soul sand et on a des magma blocks. On va pouvoir faire des ascenseurs, notamment pour aller dans ma mine. Oh, alors dis-moi, qu'est-ce que c'est juste d'abord? Eh bah voilà, des bots soul speed directement. Mais le problème c'est que si j'enlève ces bots là et que je mets celle là, le mec il va m'attaquer sans pression quoi. Donc très mauvaise idée.
Avec la gunpowder, on peut faire quoi? On peut faire des trucs importants ou pas? Gunpowder sac, TNT bien sûr. On peut faire des potions. Bah donc je vais garder, faudrait que je jette un truc pour pouvoir reprendre. Bah le gravier au pire on s'en fout. En vrai le gravier on s'en fout. Allez, quelques lingots encore. Et on sera pas mal. Et putain, on a un stack de ficelles les gars. Énorme. Purple wool. Hein? Je ne sais pas ce que c'est mais c'est stylé. En gros c'est de la laine c'est de la laine modifiée, regardez. Avec le mode quark. C'est génial. Mais c'est méga stylé. On va pouvoir faire des trucs bien sympas. Ok. C'est bon, t'as fini? Ok, je crois qu'il a fini. Juste le gravier, on s'en fout, Osef. Ok, bah nickel. Bah ça fait plaisir. On est tout bon les amis. Je vais tout simplement sur le chemin du retour. Donc en même temps je vous fais l'outro en espérant que ça se passe bien et que je me fasse pas agresser. Mon bouclier va casser bientôt. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais inverser avec ça. Voilà, pour la simple et bonne raison que si mon bouclier casse, normalement il sera remplacé automatiquement. Je suis pas sûr mais voilà. Et j'ai envie de me choper encore de la glowstone. J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Ouais, je cherche la merde, on dirait. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de glowstone. Voilà. Que personne ne m'engueule s'il vous plaît, hein. Je vous ai rien volé d'autre. En vrai si je prends du quartz, il m'attaque pas. C'est juste si je pique de l'or. Je crois, je sais pas. Si vous savez, si vous avez tout ce que vous savez sur le nether comme ça là, n'hésitez pas à m'éclairer, à me dire en commentaire. C'est beau, c'est méga beau. Bref les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. C'est pas par là mais ça peut le faire aussi. Oh, oh, on est là. Eh oui. C'était de là que je venais, d'où l'escalier, d'accord. Ah bah voilà, comme ça je rentre de manière safe, très bien. Ok, c'est réglé. Donc voilà, j'espère que ces trois épisodes vous ont plu. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment, sur chacun des épisodes. La facecam, vous me dites aussi si ça vous plaît. Et puis voilà, on se retrouve très vite, les amis, pour le prochain épisode. Alors attendez. C'est par là, le labyrinthe. Stylé. On peut pas récupérer. C'était Mkolo sur le chemin du retour, tout va bien se passer, je peux m'en arrêter là, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis voilà, tout simplement, à la prochaine. Attendez, tant que je suis pas arrivé, je suis pas trop serein encore. Hein. Voilà, c'est bon, c'est ici. C'est réglé. C'est pas là. Je suis peut-être allé un peu trop loin. Oh. Les amis. C'est par où la sortie? Je suis allé un peu... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle est où de la sortie? Ah, elle doit être là. Pas du tout. Je sais pas où est la sortie les amis. Voilà, c'est incroyable. Je sais pas. Le trou dans le mur, je sais pas où il est. Donc c'est pas grave. Oh là, c'est pas grave. Je vais prendre le chemin... De la faille, tant pis. Alors attendez, bougez pas. Voilà. Normalement, ça devrait être en dessous. Oh non. Oh non, on en est là? Je recommence depuis le début là? Attendez. Non. C'est là où on a commencé la série. Mais je sais plus dans quelle direction je suis parti, putain. Non. Il y a tout qui va despawn. Non. Attendez les gars. Ok, c'est par là. Oh putain, non, non, non. Alors je suis tombé dans la faille les frérots hein. Alors dans un sens j'ai envie de dire pas de panique étant donné que c'est juste à côté. Non mais attendez, mais il y a du feu partout. Mon stuff il va cramer. Mon stuff. Non. Non. Mon stuff il va cramer. Les loups ils vont m'attaquer, ils vont m'empêcher d'y aller. Ou au pire des cas, tout mon stuff il va dépop parce que je vais pas être assez rapide. Non. Tu déconnes. Ok, allez, trace ta mère là.
Oh là là, mais ça, mais c'est des retournements de situation qu'on adore, hein. Vraiment. Là, on adore tout ce qui se passe durant cette série, moi je vous le dis. Mais c'est pour ça, les gars, au fond de moi, là, ce qui vient de se passer, ça m'attriste. Je vais quand même prendre une épée sur moi et une armure, parce que, en fait, je vais me faire attaquer de partout, d'accord? Donc, ouais. Je vais quand même assurer mes arrières, les frérots. Hein. Mais ouais, j'adore cette série juste pour ce genre de retournement de situation, mais putain, mais quel connard. Oh. Je suis vraiment deg. En plus, ouais, mais j'ai pas d'épée, mon pote. Oh, j'ai aucune épée. Ouais. Vite, 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 réfléchir vite. Épée. Vite, 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 vite. Faut réfléchir vite. Il faut faire vite, il faut faire vex. Toi-même, tu sais. Voilà. Vite, fais-moi l'épée. Voilà, j'ai dit fais-moi l'épée. Hein, je sais pas ce que t'as compris. Ok, allez, c'est parti, on y va. On perd pas de temps. Oh là 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 là, la première mort, les amis. Notez-le dans les agendas. C'est la première mort. C'est parti, j'ai pas de bouclier. J'ai pas de pioche non plus. Enfin, c'est incroyable. Je vais récupérer la moitié de mon stuff. Allez, toi, tu vas m'aider. Hein. Alors, normalement, je suis tombé. Bah ouais, mais je vais jamais retrouver mon stuff, mon pote, en fait. Oh mais je m'aime. Je vous aime la chance. J'aime la chance. On peut pas être plus chatteux que ça, vraiment. La vérité, ça n'existe pas. Une chance comme ça. Alors attendez. Ça, ce qui vient de se passer. Alors attendez. Que je récupère tout là. Mon sac à dos, il est où? Ok, je l'ai récupéré sur moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Là, les pépites d'or, je sais pas. Est-ce que j'ai tout? Non, il faut que je jette ça. Tac, tac. Ok. Normalement, j'ai des œufs qui doivent traîner à quelque part. Je crois que j'ai tout. Regarde, tiens, je pense ça. Ah, mon casque en diams. Alors, attends, en attendant, ça dégage. Voilà. Donne-moi ça. Ok, le casque. Ça, je peux jeter. Il est gentil, lui? Il est gentil. Ok, ça, c'est... Voilà, mon stuff en fer. Et attendez, si je peux encore récupérer des trucs. Oh là là, les gars, on peut pas avoir plus de chance que ça. Hein. Vraiment. Hein. Je vais jeter le pain, tant pis, c'est pas bien, mais voilà. Voilà. Ces bottes là elles vont casser, je m'en fous. Tant que j'ai les soul speed c'est bon. J'ai le livre soul speed aussi. J'ai tout. J'ai tout récupéré, non vraiment. Je vais prendre ce bouclier au cas où il casse parce que j'ai peur. Mais vraiment, oh, on peut pas avoir plus de chance que ça. Je suis tombé dans un trou qui est safe. Juste dans un trou, y a pas de feu, y a pas de loup, y a rien. Et je découvre d'ailleurs un autre endroit. C'est incroyable. Ok, on va peut-être pas... on va éviter de refrôler la mort une deuxième fois. Hein. Par contre, j'ai perdu tout mon XP. Ça, c'est dommage. Alors, tu vas te calmer. Voilà. Salut. Ok, il est gentil. Bah, du coup, j'en profitais pour reprendre encore un peu de glowstone. Hein. Eh, les gars, l'épisode est encore plus long que prévu. Il y a eu des retournements de situation. Heureusement que j'ai pas arrêté la vidéo avant. Hein. Ah bah, j'ai plus de place. Voilà. Bah, attendez, on va faire ça comme ça. Attendez, j'ai une idée. Tandé. Hop. Voilà. Je suis efficace. Voilà. Ok. Ah, les amis. Qu'est-ce que je suis heureux. Vraiment, je vous jure, je suis heureux. Sous le sol. On va éviter de faire de la merde avec ce chien-là qui m'embête. Ok, c'est bon. Allez, on va se remettre là en toute sécurité. Il est où le loup? Il est là-bas. En fait, j'aurais bien aimé qu'il s'assoie. Bon, tant pis, il est très bien là-bas. Ça y est. On est safe. Ah, je me disais bien que c'était pas un gentil lui. C'est méga dangereux en vrai. À tout moment on peut trouver des loups méchants ici. C'est dingue. On a réussi les amis. J'ai encore du mal à y croire. Mais on a réussi donc sans plus tarder. On va réellement s'en arrêter là. Maximum de pouces bleus. Et à très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, je vous fais énormément de bisous. Ciao ciao tout le monde.